Dans le bureau du principal, Breen. Vous êtes collé. Monsieur... Breen ! Deux heures de colle. Que ça va? Oh, je viens juste de mettre un nouveau carburateur. J'appelle un garage si vous voulez. Ah non, merci, je ne fais pas confiance aux mécaniciens. Mais si vous voulez me rendre service, conduisez-moi en ville, je vais être en retard. Ouais, pas de problème, montez. Merci beaucoup. Vous pouvez monter de l'autre côté? Ça vous gêne pas d'être sur le siège arrière? Non, enfin sur ce qu'il en reste. L'attrape-cœur. Oh, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais j'ai affaire à un bibliothécaire des routes. Non, j'enseigne dans une école privée. Je travaille sur ma liste de lecture des vacances. De grandes espérances. Je me rappelle l'avoir lu au lycée. C'est plutôt ardu comme genre de lecture pour les adolescents. Oui, l'Angleterre victorienne est une époque difficile pour eux, mais... Non, je travaille là-dessus. La semaine dernière, on a fait un devoir basé sur ce roman. Si vous pouviez revenir dans le passé et changer une chose à propos de votre vie, quel serait ce changement? Je ne suis pas douée pour faire marche arrière. Je crois que la vie, c'est ce qu'on a devant soi, pas dans le rétroviseur. À vous entendre, on dirait que vous êtes en mission. Oh oui, on peut dire ça. Cette année, j'ai la joie d'être la présidente de l'Arbre à souhait. Félicitations. J'imagine que c'est un grand honneur. J'étais très malade quand je suis venue ici l'an dernier. Je me demandais ce qui finirait par me tuer, la chimio ou le cancer. Je suis désolée. Je suis venue avec mes enfants pour faire mon vœu et regardez-moi aujourd'hui. Alors je me suis promis de revenir apporter ma contribution. Vous avez vu la circulation? C'est de pire en pire chaque année. Oh, arrêtez, c'est Noël, tout le monde est heureux. Non, pas moi. J'espère qu'un jour vous verrez les choses différemment. Pardonnez-moi, mais... Je vais devoir vous abandonner ici. Je vais être en retard pour mon cours. Oh, pas de problème. Ça me va très bien. C'est parfait. C'était très gentil de me déposer ici. Merci. Essayez de passer me voir. Merci pour la proposition. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. Ouvrez vos boîtes à idées. Oh, le professeur Farnsworth continue, on dirait. Je croyais que le sujet du cours d'aujourd'hui, c'était de grandes espérances. Drew, qu'est-ce que tu fais? Je suis les ordres du professeur. Ça doit être une piñata. Oh, c'est une bonne idée. Il est sorti. Il n'y a pas cours, on a le droit de sécher. Ça m'étonnerait, lis le dos du billet. Aujourd'hui, on va remonter le temps. Quelqu'un comprend le message? Tu crois? Ouais, vas-y.
La tour de l'horloge, le temps. C'est peut-être un indice. Ah, si, si, si. Venez, on la suit. Hé, hey, doucement. On est en mission. En mission, c'est ça. C'est encore François qui fait des siennes, y a pas de doute. Je croyais qu'on aurait une interro. J'ai étudié toute la nuit. Pourquoi on fait pas seulement l'interro? Où on va? Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Pourquoi on est là? Je déteste l'imprévu. On s'en fout, on est dehors, c'est ce qui compte. Le professeur Farnsworth ne fait jamais rien sans raison. Regardez ça. La réponse est enterrée sous l'ancienne brique et le mortier. Un cimetière? Oh, une pierre tombale. Oh, un vieux bâtiment. Quel est le plus vieux bâtiment du campus? Venez. Ah d'accord, allez, on y va, on suit. C'est quoi ces lampes à huile? C'est la porte de la chaufferie? Cette fois, Farnsworth a complètement pété un câble. Alors? Oh, ça pue là-dedans! Il fait une chaleur! On n'y voit rien, faites attention! Et quel rapport avec de grandes espérances? C'est évident. Bienvenue dans le monde de Charles Dickens, Londres 1860. Il vient juste de finir d'écrire de grandes espérances. Approchez, avancez, venez par ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Très bien. Je voudrais pas vous vexer, mais ce numéro à la Mary Poppins, je trouve ça bidon. Il va falloir vous y habituer. Aujourd'hui, vous faites partie des pauvres travailleurs. Les gamins comme vous alimentent le feu du progrès. Il n'y a plus d'école. Moi, je trouve ça plutôt bien. Qu'est-ce que vous diriez de bosser tous les jours au fond d'une mine, 16 heures d'affilée? La main-d'œuvre enfantine est nombreuse, pas chère, facile à dominer. Et malheureusement pour vous, vous n'avez aucun droit. Je croyais qu'à cette époque, toutes les Anglaises portaient des dentelles. Dans certaines familles, oui, mais pas dans la majorité. Pour ceux qui, comme vous, travaillent à la mine, vos jambes se sont arquées de façon permanente et vos muscles finissent par s'atrophier parce que vous êtes trop penchés pour extraire le charbon. Certains finiront infirmes, ou même pire. Comme Albert. Pourquoi on est venu dans la chaufferie? Parce que ce charbon que vous sortez de la mine est utilisé pour faire tourner des chaudières comme celle-là. Le charbon était le nerf de l'industrialisation. C'est exact, mais les romans du Dickens c'était bien plus que de belles histoires. C'était des appels aux armes. Comme Thoreau s'est élevé contre l'esclavage? Oui, ou Thomas Paine et ses pamphlets. Ils font passer des messages dans leurs écrits. Excellent, monsieur Breen. Voici donc le thème du semestre. Nous étudierons la littérature protestataire. De l'art avec un but. De l'art avec un but. J'adore ça, Drew. Et je crois que vous tenez le titre de votre devoir. Bon, alors, quoi d'autre? Quelles autres leçons Charles Dickens veut nous donner? Prendre des risques. Bien, bien, quoi d'autre? Trouver sa passion. Se moquer de ce que les gens pensent. Oui. Se battre pour ce en quoi on croit. Excellent. Je voudrais que vous réfléchissiez aux espoirs de Pip, que vous pensiez à vos rêves. Vous, quels sont vos souhaits? Quelles sont vos grandes espérances? Dites-moi. Je veux pouvoir entrer à Harvard. Je vis mon rêve. J'ai une bourse pour être ici et j'ai jamais pensé avoir cette vie-là. Ça sert à rien, les souhaits. Monsieur Breen, Pip a obtenu ce qu'il avait souhaité. Mais est-ce qu'il mérite le bonheur ou le malheur? Dickens a beaucoup réfléchi à l'avenir de Pip. Personne n'a droit au bonheur. C'est ridicule comme cet arbre à souhait en ville. Vous croyez au vœu, monsieur? Vous croyez que les gens perdent leur temps devant cet arbre? C'est moi qui pose des questions ici en général. D'accord? Bon, on dirait que c'est terminé. On continuera ça demain. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. On y va? C'est intéressant. Ouais. Et on fait pas l'interro alors? Oh, ça suffit, Albert. Monsieur Breen. Oui. On avait une conversation passionnante à l'instant. Pourquoi vous êtes si négatif? Je suis comme je suis, c'est tout. Je m'excuse de pas être celui que vous souhaitez. Ne dites pas ce mot. Lequel? Je m'excuse ou souhaiter? Je vois. Mais puisque vous êtes si à cheval sur le choix des mots et sur la syntaxe, pourquoi ne pas me faire un devoir de 500 mots sur comment construire la phrase parfaite? Je le veux sur mon bureau demain matin à la première heure. Ah, j'oubliais. Avec des références.
Evan, t'es en retard d'au moins 150 ans à ton cours. Merci de m'avoir prêté cette tenue de l'atelier de costume, Clarissa. Ça s'est bien passé. T'as un côté super califragilistique, Expialidocious. Oui, Mary Poppins, c'est aussi ce que les gamins ont dit. Ils ne pourront plus lire Dickens sans penser à ce matin. J'espère. Je t'ai parlé de Andrew Breen. Oh. C'est pas gagné. Tu peux le dire, ce garçon est une cause perdue. Ouais, c'est ce qu'on disait de moi à son âge. Ah oui? Et toi, tu faisais quoi? Oh, je m'occupais de la chorégraphie du grand spectacle musical de Noël. D'accord. Est-ce que tu vas à la fête de Fitz ce soir? Non, je pense pas. J'ai un tas de devoirs à corriger. Oui. Les vacances commencent dans 3 jours à peine et tu dois avoir des visions de sucreries et de bonbons qui dansent dans ta tête. Tout le monde peut trouver un petit moment pour venir célébrer Noël. Pas moi. Oh, franchement, allez. Tu peux pas penser ça. Oh, et chez Fitz, les soirées sont si... mortelles. Les gens du département de latin ne font que parler des verbes irréguliers et des pièces romaines. Ceux des sciences de la Terre ne sont pas mal. Tu te souviens de leur jeu bidon sur le tableau périodique des éléments? Allez, viens, tu prendras un verre, Justin. Ça va être l'horreur si tu n'es pas là. T'as un vrai sens dramatique. Non, c'est sérieux, je trouverais ça... vraiment très agréable de te voir ce soir. Et au fait, c'est fou ce que t'es craquant dans cette tenue. Merci. Evan. Ah, Fitz. Heureux de vous voir. Merci. On m'a dit que vous aviez encore fait un de vos grands numéros aujourd'hui. Ah oui, j'essayais de rendre la littérature plus vivante pour les enfants. Vous avez froissé quelques sensibilités. Comme le jeune Farnsworth, dont je me souviens, qui causait toujours des problèmes. Vous m'avez engagé pour ça, non? Certains de la vieille garde ont trouvé ça un peu trop cire du soleil. Le professeur Box disait qu'il y avait de tout à part du trapèze. Attendez que Box voit ce que j'ai prévu pour Fahrenheit 451. Oh! Ça, c'est pour vous et Mary. Un porto 20 ans d'âge. C'est très gentil de votre part, Evan. Je sais que c'est une période de l'année très pénible pour vous et j'apprécie votre venue. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez qui le Père Noël nous a offert ce soir. La seule femme qui ose une robe colorée. Très Isadora Duncan. La nudité, c'est la vérité, c'est la beauté, c'est l'art. Je ne savais pas qu'Isadora Duncan avait dit une chose pareille. Bon, je suis venue vous enlever, Evan, pour mon équipe de mime. Oh non, je vais rester que quelques minutes, non. Non. Bon, deuxième mot. Coupé, c'est ça? C'est en anglais. En anglais, oui. Une si, so. So, troisième mot. Qu'est-ce qu'il va faire? I saw... C'est un zombie, Une momie. Non, mais ça sonne comme momie. Enceinte? Oh, lâché. Je sais pas. Merci. Oh, maman, momie, I saw... Mais oui, momie. Oui, I saw momie kissing Santa Claus. Oh. Un grand classique des chansons de Noël. Ça fait plaisir de le rendre un sourire. Oh, merci, une couronne. C'est gentil, merci. Evan, je viens de recevoir un coup de fil de Joël Ramsay. Il était censé rester pour s'occuper de nos orphelins de Noël pendant les vacances, mais sa famille a eu une urgence. Oh, j'espère qu'il va bien. Oh, son fils s'est cassé le bras, mais tout va bien. Je sais que je m'y prends à la dernière minute, mais... Est-ce que vous avez des projets de voyage pour ces vacances? Non, aucun. Vous accepteriez de remplacer Joël? Bien sûr, une petite rémunération est prévue et il n'y a que 2 élèves qui restent sur le campus. Juliette Espinoza et Albert Nevins. J'aimerais que vous disiez oui. Vous savez, j'étais un orphelin de Noël, moi aussi, autrefois. Bon, ça fait bien longtemps. Mais Juliette et Albert sont attachants, alors j'accepte avec joie. Merci beaucoup. Oh, mais où tu vas? Attends. On massacre le département de maths. Ils n'ont que des cerveaux gauches. Non, il faut que j'y aille. J'ai une montagne de devoirs à corriger. Mais tu étais l'âme de la soirée. C'est gentil. Tu n'as fait que donner le change, c'est ça? Je repère un numéro bidon à des kilomètres. Oh, et tu te tiens mal, redresse-toi. Oh.
pourquoi tu as toujours l'air tellement triste? Je me tiens vraiment si mal. Ben, j'enseigne la technique Alexander, ça peut t'aider. D'accord. Mais c'est quoi? Une technique posturale pour les acteurs et les danseurs. Essaie de visualiser une ficelle. Cette ficelle partirait de ton cœur et soulèverait ta poitrine très haut jusqu'au ciel. Mieux? Oui, c'est mieux. On pourrait être de bons amis, Evan. Et puis, qui d'autre que toi rirait de mes blagues, Isadora Duncan? Pas Fitz, en tout cas. Non, ça, c'est certain. C'est ma première année ici. Et c'est chouette, un ami. J'avoue que j'aurais plutôt besoin d'un petit ami, mais je serais très heureuse d'avoir un ami. J'adore cette idée. Bonne nuit, Clarissa. Bonne nuit. Ayez une démarche fière, professeur. Evan! Elisabeth, je suis là. Oh, tu as attaché un autre pantalon? Il faudrait une prime de risque pour enseigner ici. Tu m'as manqué ce soir. Il fallait venir faire les courses avec moi? J'ai tout ce qu'il y avait sur notre liste pour ta famille. Tu vas voir ce que je t'ai trouvé. C'est tous les jours Noël pour toi, hein? Absolument. Pourquoi réserver cette joie à cette seule journée, hein? Non, je t'aime. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais pour Noël. Il y a quoi sur ta liste de vœux? Passer chaque jour avec toi. Elisabeth? Andrew, je sais que tu es là. J'ai ton emploi du temps juste devant moi. Tu devrais te préparer à aller à ton cours d'histoire. Tu risques d'être en retard. Salut, maman. Tu as déjà fait tes bagages? Je compte les minutes qui me séparent de cette sortie de prison. À minuit, j'écrivais encore un texte débile pour Farnsworth. Chérie, il y a une petite complication. Ton père et moi avons une affaire urgente à régler ici à Paris. Ça n'a rien d'une affaire quand on prépare ses skis. C'est plus compliqué que ça. J'ai bien peur que tu doives passer toutes tes vacances à Saint-Marc. Non, t'es pas sérieuse. On ira quelque part pour Pâques, à Aruba ou aux Açores. La plongée, le reggae, le soleil. J'ai pas envie de plonger. Je veux aller à Saint-Moritz avec vous deux. Impossible, je regrette, chérie. Tu peux pas me laisser ici avec ces idiots, j'ai horreur, chérie, de ce bahut. Chérie, je dois te quitter. On se parle demain, je Mais t'aime. Maman, je...
Hey, notre groupe d'études se réunit cet après-midi. Rien à carrer. C'est toi qui es nul en latin. Tu vas te rentrer ça dans le crâne. Grosse tête, j'ai pas besoin de toi ou de ton groupe d'intello. D'accord ? Dégage de mon chemin. Mais où tu vas ? Je vais aller me vider la tête. Et tu peux pas sécher un cours, t'es déjà collé. Oh, t'es le roi des losers, Albert. Je comprends que personne n'ait envie de traîner avec toi. Et toi, pourquoi t'es toujours aussi vache ? Est-ce que le roi du mime a une minute à m'accorder ? Merci encore pour la soirée d'hier, Fitz. Ah. Vous et Clarissa faites une sacrée équipe. Ça m'a donné envie de redevenir jeune. Elle est ravissante. Je vous comprends. C'est beau, la jeunesse. En fait, je suis venu vous apporter les dossiers de nos orphelins de Noël. Je croyais qu'il n'y avait qu'Albert et Juliette. C'est une plaisanterie. Sa mère m'a passé un coup de fil ce matin. Un voyage imprévu. Il va être complètement anéanti. Depuis des semaines, il ne parle que d'aller skier à Saint-Moritz. Je suis la dernière personne sur le campus qui oserait dire quoi que ce soit sur la famille Breen. Oui. Nous vivons tous sous la même épée de Damoclès. Ouais. Je trouve ça ironique. On a une fille comme Juliette qui n'a rien et pour qui tout compte. Et Andrew qui a tout et pour qui rien ne compte. Bonne chance, Evan. Vous aurez de quoi vous occuper pendant les fêtes. Je serai en ville pendant les vacances si t'as besoin de quoi que ce soit. Je croyais que tu allais à Boston. Oh, j'y passerai une journée. Je vais voir une reprise de A Little Night Music. Est-ce que je t'ai raconté que j'avais rencontré Sondheim à une audition ? Il est comme une coupe de champagne, l'essence de l'effervescence. C'est une très jolie phrase. Je devrais te recruter pour le département de littérature. Oh, et s'il te plaît, tu pourrais surveiller Juliette. Elle est très nerveuse à propos de son audition. Elle a du talent, beaucoup, beaucoup de talent, mais elle est terrifiée de chanter en public. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Je veillerai sur elle. Merci. Salut. Tu veux qu'on l'accroche ? Juste ici. Sur cette branche ? D'accord, je vais te porter pour que tu puisses l'atteindre. Ah. Publicité mensongère ! C'est un piège à pigeons. Maman, de quoi est-ce qu'il parle ? Je parle de toi, petit bonhomme. Tu sais, ce train que tu voulais avoir pour Noël, ça vaut pas la peine de faire un vœu pour ça parce qu'il se réalisera pas. De quel droit vous parlez à mon fils de cette façon ? Et vous ? Vous lui remplissez la tête de promesses que vous ne tiendrez jamais. Quel genre de mère vous êtes ? Ça va, ça suffit, baissez le ton tout de suite. Ceux qui sont prêts à croire à l'arbre à souhait sont des fous. C'est que des conneries et vous le savez. Vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une association caritative ? Ces personnes sont là pour faire des dons et nous soutenir. Je veux juste les empêcher d'avoir une énorme déception. Ou vous partez tout de suite, ou j'appelle la police. Vous feriez aussi bien de jouer à la loterie. Au moins, vous auriez une chance de gagner une somme bien réelle. Ouvrez un peu les yeux, on arrête ce numéro une fois pour toutes. Donc, vous voulez porter plainte, Madame Guthrie ? Oui, absolument. Il mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Evan Farnsworth, établissement scolaire Saint-Marc. Voici Madeleine Guthrie, présidente de la Fondation des Souhaits. Oui, je sais, on s'est déjà rencontrés. Je suis vraiment désolé, Madeleine. Elle a décidé de porter plainte, professeur. Notre établissement vous remboursera tout. Une scolarité hors de prix et vos élèves se permettent de dégrader un haut lieu de la ville ? J'avais de grandes espérances pour vous, professeur. Ce n'est pas un comportement normal chez nos élèves. Et Andrew n'est pas un mauvais garçon. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je ne suis pas d'accord avec vous.
Il savait exactement ce qu'il faisait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était un appel au secours de sa part. Ça n'excuse pas son attitude, mais ça l'explique. Je vous assure que Drew n'est pas un méchant garçon. On a dû fermer le site de l'Arbre à Souhait. On a perdu toute une nuit de revenus. Notre petite association est à but non lucratif, professeur. On n'existe que 4 semaines par an, et la moindre pièce que l'on reçoit sert à aider directement des familles nécessiteuses de notre communauté. Et apparemment, votre élève n'en a rien à faire du tout. Je suis vraiment désolé. Cet Arbre à Souhait a changé ma vie. Et voir un de vos élèves traiter cet arbre avec un tel manque de respect, ça m'a... Madeleine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-le-moi. Il mérite d'être puni. Et je vous assure qu'on fera ce qu'il faut à Saint-Marc. Mais je vous demande de réfléchir avant de faire ça. Il n'a que 16 ans, et si vous portez plainte, ce sera sur son casier pour toujours. Il doit se rendre compte que ses actes ont de graves conséquences. C'est ce que je pense aussi. Il sera sous mon entière responsabilité, je ne le lâcherai pas. Je vous promets que jamais rien de tel ne se reproduira. Ce serait bien de pouvoir vous croire. Madeleine, s'il vous plaît. Ce sont les fêtes de Noël, et vous qui parlez si bien de vœux d'espoir et de seconde chance. Donnez-lui la sienne. Pardonnez. Andrew Breen, votre directeur d'études est ici. Hé, hey, Drew, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ah oui, désolé. Vous devriez vraiment être en sécurité ici. Sauf bien sûr s'ils si amènent quelqu'un d'autre. Professeur Farnsworth, combien de temps je vais rester enfermé là-dedans? Ils vous ont rien dit? Je vais aller demander. Non, partez pas, s'il vous plaît. Oh. Vous ne voulez pas rester ici? Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Non. Non. Non, monsieur. Et maintenant, il va m'arriver quoi? Rien de très réjouissant. Bonnes vacances à tous. Voici votre nouvelle famille. Nous allons passer les 2 prochaines semaines ensemble. Wow. Maintenant, j'aimerais que chacun me dise pour quelle raison il est resté sur le campus et de quelle façon il compte occuper ses vacances. Ma bourse d'études ne couvre pas mon voyage et ma mère n'a pas de quoi payer mon billet d'avion, alors je reste ici. Dites à votre mère de ne pas s'inquiéter. Nous serons votre famille. Et en plus, je dois travailler mon audition pendant les vacances. D'accord. J'ai dit à mes parents que je voulais rester pour bosser sur des projets pour le semestre à venir. Loser. Bravo, Andrew. Ça, c'est l'esprit de Noël. Il y a un grand nombre d'orphelins de Noël de Saint-Marc qui ont réussi de belles choses. Vous faites partie d'une élite, d'un club. Et vous devez tous vous soutenir. Vous vous souvenez, on les a lus, les 3 mousquetaires. C'est votre cas aujourd'hui. C'est tous pour un. J'ai détesté ce bouquin. Si j'en crois votre devoir bâclé sur Alexandre Dumas, monsieur Breen, ce que vous avez détesté, c'est la version abrégée. Parlez-nous de vous, Andrew. Pourquoi vous êtes là? Mon module parental a décidé de me larguer pour aller skier. Je trouve que c'est pas gentil de parler de ses parents de cette façon. Oui, mais de toute évidence, tu ne connais pas mes parents. Et ça tombe bien parce que j'avais envie de me vautrer dans ma puanteur existentielle. On peut y aller maintenant? Tout le monde est libre. Excepté Breen. Andrew, vous aurez des obligations à remplir. 1. Des travaux en remplacement de vos heures de colle. Nettoyer à fond l'intendance et la bibliothèque. 2. Un couvre-feu. 3. Envoyer une belle lettre d'excuse à la Fondation des Souhaits. Et 4. Assurer un travail d'intérêt général autour de l'Arbre à Souhaits. Mais j'ai horreur de ce truc. C'est dommage parce que vous allez y passer 20 heures par semaine à ramasser les cochonneries qui traînent tout autour. Ce genre de puanteur existentielle vous convient?
n'arrêtez pas, c'est très joli. Non, j'allais arrêter, j'ai un peu mal à la gorge, je ne veux pas forcer. Oh, vous voulez que l'infirmière scolaire regarde ça? Non, ça va aller. C'est sûr? Oui. J'ai pas vraiment mal à la gorge, monsieur. Je sais pas si j'aurai le courage de chanter en public. Ne vous mettez pas une telle pression. J'ai peur de chanter. Je suis trop timide, c'est... Vous auditionnez pour le rôle principal du spectacle du printemps. Alors oubliez votre timidité. Clarissa n'arrête pas de me pousser. C'est parce qu'elle croit en votre talent. J'ai peur de me produire en public. Mettez-moi dans une pièce vide ou sous la douche le matin, je chante comme Patty Louponnet. Quand j'étais petite, je détestais lire à haute voix en classe. J'avais les mains moites, les lettres se mettaient à bouger sur les pages. Et plus j'étais nerveuse, moins bien je lisais. Les autres se moquaient de moi. Je comprends, ça a dû être dur pour vous. Et j'ai appris à disparaître. Mais bientôt, on va changer ça. 10 heures, jeudi matin, vous et moi, ici même. Ah, non. Juliette, les ordres ne se discutent pas. À jeudi. Vous allez être diplômé un an plus tôt si vous continuez. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi je suis toujours tout seul ici? Mais vous n'êtes pas tout seul en temps normal, c'est rempli d'élèves. Même si tous les sièges sont pris, moi je suis tout seul. Vous voulez plus d'amis, c'est ça? Alors allez vers les autres, gagnez le respect de vos pairs. N'ayez pas peur de donner l'exemple. J'en sais rien. Les autres élèves ne m'aiment pas. Je suis trop différent. Je sais que vous avez l'étoffe d'un grand leader, Albert. Je suis pas du tout comme les autres. C'est ça, l'intérêt. C'est ce que vous êtes qui vous rend exceptionnel. Je suis dans le coin si vous avez besoin de moi. Merci, professeur. Drew ! C'est quoi ce gilet ? On dirait un criminel. Il te manque plus que les chaînes. Ah, c'est très marrant. Je suis prêt à parier qu'elle m'attend en ville. Je file, je suis en retard pour purger ma peine. Tu ferais aussi bien de porter la lettre écarlate? J'ai pas lu non plus ce bouquin-là. Salut, à plus. Drew est parti travailler à l'arbre à souhait. On doit le soutenir. Il a exactement ce qu'il mérite. En plus, j'ai pas fini mon petit déjeuner. Ben là, c'est fait. Tu sais, le professeur Farnsworth a dit qu'on était une famille. On est tous dans le même bateau. Oui, c'est nous contre Drew. Tu craquais pour lui avant. C'était au collège. Il me lance des boulettes de papier sur la tête depuis 3 ans. Je craque pas du tout sur Drew. Là, il a besoin d'un ami. Il lèverait pas le petit doigt pour nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Tiens, mes gants. Tu vas avoir des ampoules d'ici la fin de la journée. Waouh, qu'est-ce qui se passe? À la maison, ma mère fait ça pour vivre. Polir l'argenterie, faire la lessive, élever les enfants d'une dame très riche. J'ai juré de ne jamais faire ça. T'es pas obligée, tu sais. Je le fais pour un ami.
mais je le ferai pas pour de l'argent. Alors, on est amis maintenant? On a tous besoin d'un ami, Drew. C'est une blague ou quoi? Parce que si vous vous payez ma tête, je... Arrête ça. T'as jamais lu Tom Sawyer? La peinture de la clôture? Tous les enfants venus pour l'aider à peindre? Là aussi, j'ai lu que le résumé. Bravo! Quelle efficacité! Vous avez fait un travail formidable. Vous pourriez nous aider avec la table des collations? C'est à moi que vous parlez? Ah oui, c'est bien à vous. Vous avez l'air d'être le chef de file. Oh, vous voulez sûrement parler de Drew? Non. Ce garçon-là, si je ne l'ai pas sous les yeux, je ne lui fais pas confiance. Venez, je vais tout vous expliquer. Les gens viennent ici et font un don pour chaque vœu qu'ils écrivent. Il n'y a pas de montant fixé, chacun donne ce qu'il veut. Mais ça représente assez d'argent pour soutenir votre œuvre de charité? Non. Pour être franche, c'est surtout les collations qui nous maintiennent à flot. Mais ça, c'est un concept que les riches élèves de Saint-Marc ne peuvent absolument pas comprendre. Non, sans vouloir vous vexer, on n'est pas tous riches. Au moins un quart des élèves est là grâce à une bourse. D'accord. Oui, je comprends. Pas étonnant que vous fassiez pas d'argent. Non, on fait de l'argent, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas autant qu'on aimerait. C'est un os à moelle ou quoi? Ça s'appelle un petit roulé à la confiture. Ça vient du supermarché Discount. Vous avez un problème avec ça? On a de très bonnes pâtisseries en ville. On peut les appeler. Pour elles, c'est une pub géniale. Doucement, à coup sûr. Tout doux, on se calme. Monsieur l'homme d'affaires, je ne vous demande pas de tout révolutionner. Je veux que vous arrangiez un peu tout ça, empiler joliment des serviettes ou... J'en sais rien. Trouvez une idée. Vous pouvez le faire. Bien sûr. Hey, venez par ici, j'ai besoin de vous. Cette table a besoin d'un relooking d'enfer. Tu nous as pas trouvé un autre travail de bénévole, t'as pas fait ça? Oh, c'est pas vrai. Il peut pas être mauvais à ce point. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je m'en veux déjà à l'avance de poser cette question, mais... Comment on peut t'aider sur ce coup-là? La première chose à faire, c'est de déplacer cette table vers le stand des dons, là où les gens pourront la voir. Aidez-moi. Allez, tout en douceur. Hé, hey, vous, là-bas, où allez-vous avec ça? Vous inquiétez pas, on fait ce qu'il faut. Vous nous remercierez. Wow. Oh. Tenez, voilà. Merci. Ah, professeur. J'étais venu voir Andrew, je ne m'attendais pas à vous voir tous réunis ici. Tous pour? Gardez la monnaie. Albert cherche à conquérir le monde et on fait ses quatre volontés. Je suis très impressionné. Vous nous avez inspirés? Vous et Tom Sawyer. C'est vrai. Bon, tout le monde se remet au boulot, la pause est finie. Désolé professeur, on a des choses à faire. C'est normal, allez-y. Hé, hey, Clarissa. Hé, hey, je croyais que c'était pas ton fort, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passé voir où en était Andrew. Ouais. Tu sais que t'es pas obligé de jouer les durs sans arrêt? Les vœux, c'est pour tout le monde. Bah, j'en suis pas vraiment certain. Et tu demandes pas à tes élèves de lire De grandes espérances? Si. Et ce livre ne parle pas de faire des vœux pour que sa vie soit différente? Mais j'ai jamais eu beaucoup de chance avec les vœux. Tu crois quand même pas que je vais abandonner aussi facilement? C'est une longue histoire. Et peu de gens ont mon sens de l'écoute. Evan, tu le fais encore. Tu te tiens pas droit. Oh. Allez. Pourquoi je pense pas à ça? Il te faut apprendre une autre mémoire musculaire. Un peu de patience. Mieux? Oui. D'accord. Quelqu'un t'a brisé le cœur, c'est ça, je le sens. Pas de la façon que tu crois. Une peine de cœur est une peine de cœur. Peu importe ce qui s'est passé. C'est idiot. Je sais tellement peu de choses à propos de toi. On pourrait aller boire un verre quelque part. Pourquoi pas
plus tard dans la semaine. Oui. Et je te raconterai tout ce que t'as envie de savoir sur moi. Tout ? Le principal. J'abandonnerai pas. Et ce sera amusant. Je le promets. J'ai oublié, je sais plus faire. Je voulais pas dire oui. Non, 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 Clarissa, t'as pas arrêté d'insister. Donne-moi quelques conseils, chérie. Oh, non, 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 non. Tu faisais toujours ça pour moi. Je sais pas ce que je fais. Fitz m'a dit que tu avais joué dans Chorus Line sur Broadway. Oui, j'ai mis toute mon énergie à chanter et à danser 8 représentations par semaine. Je vivais un rêve. Jusqu'à ce que, bien sûr, je m'explose le genou sur What I Did For Love. Oh, c'est horrible. Oui, et à pas mal de niveaux. Tu sais pourquoi je me suis blessée sur cette chanson? Je venais juste de rompre avec mon petit ami qui m'avait avoué être gay. Mon appartement avait été cambriolé et j'avais une permanente monstrueuse. Tout ça est arrivé la même semaine. Et ton attitude positive est restée intacte? Oui. En fait, une foule de nouvelles opportunités se sont présentées et j'ai toujours su que la danse était un métier qu'on n'exerce pas toute sa vie. Enfin, sauf si on nettoie la farde, bien sûr. Ouais, mais j'imagine que t'étais désespérée, non? Ah, après mon opération du genou, j'ai dû faire une rééducation importante. Je suis sortie, je me suis retrouvée un petit ami hétéro, j'ai refait une permanente et j'ai repris le cours de ma vie. Est-ce que je peux arranger tes boutons de manchette? Ça a tendance à m'agacer. Vas-y, vas-y. Merci. J'aime enseigner. Même si je n'ai pas de standing ovation 8 fois par semaine. Un jour, un de mes élèves reviendra me voir après avoir décroché son diplôme et me dira que j'ai apporté quelque chose à sa vie. Et là, j'aurai ma plus belle récompense. Je te comprends. Ouais. Alors, je parie que tu devais être un élève extraordinaire. Oh non. Non, pas du tout. J'étais plutôt dans le genre de Drew. C'est vrai? Correction. J'étais pire que Drew. J'étais le cauchemar des profs jusqu'à 16 ans. Quand j'ai enfin rencontré la personne qui a réussi à remettre ma vie sur les rails. Comment s'appelait-elle? Elisabeth. Elisabeth Scott. T'es sûr qu'on n'aura pas d'ennui pour ça? T'en fais pas, l'intendant sera pas au courant. Tiens, passe-moi le piment qu'il a. Dans du chocolat chaud? Si c'est bon pour les Incas, c'est bon pour nous. Oh. Elisabeth a été ton grand amour de lycée? Au début, elle ne savait même pas que j'existais, même si on avait beaucoup de cours ensemble. Mais j'ai commencé à la draguer à la fac. Je me suis montré insistant, elle a fini par m'épouser. Et vous vous êtes séparés quand? Elisabeth est morte il y a 2 ans. Oh, pardon, je... Non, 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 c'est rien. Elle était malade depuis longtemps. Je suis resté à l'hôpital, nuit et jour. Un matin, j'ai décidé de sortir pour prendre l'air. Elle est morte à ce moment-là. On n'a même pas eu la chance de se dire au revoir. Oh, je suis désolé, je... Fitz m'a appelé pour les condoléances. Il m'a convaincu de venir ici et d'enseigner. J'ai laissé tomber mon agence de pub à Manhattan. J'avais envie de me retrouver là où Elisabeth et moi, on s'était connus. Me retrouver ici me rapproche d'elle. Je crois que Fitz me connaît bien mieux que je me connais. Et j'ai fini par me découvrir une vocation d'enseignant. Le seul moment où je me sens vraiment vivant, c'est dans une salle de classe.
J'ai déjà dit à tout le monde à l'arbre à souhait que vous faisiez les meilleures pâtisseries de la ville. Jeune homme, dans les conditions économiques actuelles, je ne peux rien vous offrir. Et donnez vos brownies et on parlera de votre boutique à chaque acheteur. Pensez à la publicité que ça vous fera, vous pouvez pas dire non. Non. Je suis désolée. Bonjour, je suis Albert Nevins, je viens pour l'arbre à souhait. Voilà, nous cherchons des donateurs et... Tiens, c'est ça. Tu peux goûter ? Alors, c'est bon ? Ouais. Top. Désolé d'insister, mais j'ai besoin que vous repensiez à notre offre. Les études de marché prouvent que... D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Vous m'attendez ici. Ce ne sera pas très long. Le professeur Farnsworth est responsable de l'arrestation de mon fils. Je veux qu'il soit renvoyé. Non, c'est hors de question, Amanda. J'ai passé quelques coups de fil et certains professeurs ne cautionnent pas ses méthodes. Ils s'accordent à dire qu'il ne prend pas son devoir au sérieux. Je ne suis pas de cet avis. Il est anticonformiste. Trop anticonformiste pour Saint-Marc. Comment compte-t-il préparer ces jeunes à passer leur examen ? Il les prépare à vivre leur vie. Il tourne ouvertement l'éducation en dérision. Ils étudient Jefferson, Dickens, Thoreau. Il les encourage à devenir des libres penseurs et à fuir les idées trop traditionnelles. Je suis sûre que Robert Frost n'a jamais passé une nuit en cellule. J'ai d'ores et déjà appelé le service des inscriptions de l'Académie militaire Ardmore en Caroline du Nord pour Andrew. Oh. Je doute que ce soit la solution. De toute évidence, la discipline n'est plus une priorité ici. C'est assez éloigné de la vérité. Renvoyez Farnsworth, ou j'irai voir le conseil d'administration. J'aurais pu m'y plaindre directement, mais par respect pour votre autorité et pour la protéger, je me suis abstenue. Vous faites prendre à cette affaire des proportions démesurées. Ça ne vous ressemble pas. Je suis très étonné. Vous vous trompez, Martin. Justement, ça me ressemble. Ces derniers jours ont été pénibles. Perry et moi sommes séparés. C'est une nouvelle bien triste. Andrew n'en sait encore rien. J'apprécierais que vous soyez discret. Ah, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire ? Renvoyez Farnsworth. Si vous refusez, je m'en chargerai. Vous êtes prête ? Je crois. Ça va aller. Vous êtes superbe. Professeur Farnsworth, je suis pas sûre d'avoir le courage. Aucune importance. Moi, je le suis. Donnez-moi ça. Épatez-les. Time to care. Some
vous sentez? Ça va. J'espère que ça va, parce que c'était bien. Waouh, tu m'as bluffé. C'était magistral. Je vous avais dit que vous pouviez le faire. Et même le faire devant tous ces gens. Allez, il faut fêter ça. C'est moi qui invite. Vous plaisantez, avec tous les progrès que font les enfants? Elle a exigé que je vous renvoie. Et c'est pas moi qui me suis fait arrêter. Ça, j'en suis bien conscient. Elle n'a aucun motif valable. J'attaquerai pour licenciement abusif. Non, je ferai tout mon possible pour l'en empêcher, je vous le promets. Ça ne marchera pas, le conseil lui mange dans la main. Elle a tort, Fitz, et vous le savez. Evan, sa fondation a permis la construction de 3 bâtiments sur le campus. C'est elle qui finance tous les programmes de bourse. Si nous n'avions pas la famille Brin, je pense que Saint-Marc n'existerait pas. Avec cette philosophie, elle détruira tout. Je vais en rediscuter avec elle aujourd'hui. Tout s'arrangera, je vous le promets. Voilà votre chocolat. Passez de bonnes fêtes. Je suis vraiment très impressionnée. Je n'ai jamais vu des gens aussi enthousiastes. On a récolté 1000 dollars aujourd'hui et ça continue. Et pas désolé pour le retard. Tu veux bien aider Drew à préparer une autre tournée? Les gens aiment pas attendre. J'y vais. Et un chocolat chaud. Oh, t'es revenu. C'est pas que je tienne les comptes, mais je crois que c'est ton 5e, non? Je veux connaître le secret. Si je te dis tout, il va falloir que je te tue. Je t'assure, tu devrais déposer ta recette, tu pourrais te faire des millions. Je suis très sérieuse, de tous les chocolats que j'ai bu, c'est de loin le meilleur. Oh. Albert, elle te fait un compliment. Qu'est-ce que tu dois dire? Merci. Je m'appelle Albert. Et moi, Devin. J'ai convaincu mon équipe de foot de venir après le match. Tu seras pas en rupture de stock. Non, je te promets que je vous en garderai. Et à propos de l'ingrédient secret, un indice pense aux Incas. Du piment? Quoi, c'est vrai, j'ai raison. D'habitude, personne trouve, c'est incroyable. C'est Albert a enfin un peu de chance à ce que je vois. C'est pas trop tôt. En général, les filles l'aiment bien. C'est lui qui s'aime pas, en fait. C'est pas le seul à être dans ce cas-là. Non, je t'en prie. Je suis un mec dangereux. Tu sais, un cas désespéré. Tu me mets en garde. Je savais pas que ça t'intéressait. Qu'est-ce qu'il y a? L'arbre à souhait a été classé parmi la liste des monuments historiques, Andrew. Je siège au comité qui s'en charge. Tu imagines ce qu'on va penser de moi? Tu m'écoutes au moins? Je traverse la moitié du monde pour te rendre visite et toi, tu ne fais que jouer sur cette chose. C'est parce que je suis multitâche. Non, tu es impoli. Et enlève ce gilet, il est affreux et quelqu'un pourrait te voir. Je suis fière de ce que je fais. Et grâce à Albert, on récolte de plus en plus d'argent. Albert? Tu n'as jamais parlé d'un Albert depuis que tu es ici. Est-ce qu'il a été arrêté avec toi? Albert est un gentil garçon. Il vient d'une bonne famille. En fait, je le connais depuis la première année. J'avais pas pris le temps de voir que c'était quelqu'un de bien. De toute façon, c'est votre professeur Farnsworth qui a provoqué cette pagaille. Ne le mêle pas à ça. Et pourquoi pas, puisqu'il est responsable. Oh, en tout cas, je serai plus tranquille, sachant qu'il ne corrompra plus l'esprit d'autres enfants. De quoi est-ce que tu parles? J'ai fait le nécessaire pour qu'on le renvoie. T'as quoi? C'est le seul prof ici qui arrive à m'intéresser. Tu m'as raconté qu'il passait son temps à te critiquer. Oui, et il avait raison. Je vais te déposer sur le campus, tu dois faire tes valises. On s'en va demain matin. Non. Non, je veux pas aller à Paris avec papa et toi. Je me suis fait des amis ici. Je ne passerai pas Noël à Poudlard. Et puis nous n'allons pas à Paris, nous allons à la maison à Charleston. Et pendant que nous y serons, je t'ai pris rendez-vous avec l'académie militaire de Ardmore. Des militaires, t'es sérieuse? Waouh, et qu'est-ce que papa en pense? Son père est submergé de travail. C'est ma décision. Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore à cause de l'alcool. Allons-y. Tu dois faire tes bagages. Je te dépose sur le campus. Allez. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est toi qui l'as fait sortir de prison. Personne dans la famille Brin ne veut assumer la moindre responsabilité. Apparemment, je suis la cause de tous les problèmes d'Andrew. Viré au bout de 2 ans. Et Fitz, alors, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Elle le tient. Si jamais il s'oppose à elle, elle le fera renvoyer aussi.
Arrête, personne n'a autant de pouvoir. La famille Breen dirige le conseil d'administration. Ils font la pluie et le beau temps sur tout ce qui se passe dans cet établissement. Ah oui? Eh ben j'irai voir les autres membres du conseil, alors. C'est vrai, tu ferais ça pour moi. Oui. C'est vraiment gentil de vouloir te donner ce mal. Je te remercie, mais c'est pas... Arrête, tu vas pas... Non, non, j'ai déjà donné ma lettre de démission. C'est fini, je fais mes valises, c'est terminé. T'as pas le droit de baisser terminé. Le bras. Terminé. J'ai reçu ton message. Comment c'est possible? Elle va faire virer Farnsworth et m'obliger à quitter Saint-Marc. Pour une école militaire? C'est le comble, après tout ce que j'ai pu balancer sur cette école. Je veux plus partir. Alors, qu'est-ce que je fais? On sera plus les trois mousquetaires, c'est terminé. C'est plus grave que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été un vrai crétin. Les boulettes, les allusions méchantes, toutes les blagues idiotes. Et je comprendrais que tu ne veuilles jamais me pardonner, mais... Arrête. Tu as changé depuis. J'ai été désagréable avec tout le monde. Surtout avec toi, et je te présente mes excuses. Mais quand t'as chanté l'autre jour, ça m'a vraiment fait un choc. Comme si je me réveillais pour la première fois. Tu étais tellement belle. Je crois que je tombe amoureux de toi. Je sais que ça a l'air complètement dingue. Non, non, je t'assure. Mais regarde les choses en face, Drew. On vient de deux mondes trop différents. Ma mère travaille pour les gens comme ta famille. Tu dois arrêter de penser avec ta tête. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Ça ne pourrait pas marcher. Je crois que le monde sait ce qu'on en fait. C'est magnifique. C'est la première fois que j'éprouve ça. Je viens d'avoir ton message. C'est incroyable. Ils veulent renvoyer le professeur Farnsworth. Mais ton père, tu peux l'appeler. Il peut faire quelque chose, non? Non, laisse tomber. Oh. On devrait aller voir le professeur. Peut-être qu'il va savoir comment empêcher ça. Oh, j'en sais rien. Ça me paraît délicat. Et il va faire quoi? C'est lui qui se fait virer. Je vois même pas pourquoi il m'écouterait. J'imagine qu'il me déteste. Et il a de bonnes raisons. Peut-être, mais on n'a aucune autre solution à proposer. Non, on arrive trop tard. Il s'en va, c'était le seul pour qui on comptait sur le campus. Tout ça, c'est ma faute. On doit faire un truc radical. Quel genre? J'en sais rien, mais on doit empêcher ça. Drew, j'ai les documents pour le travail d'intérêt général, j'ai tout signé. C'est lui, c'est Farnsworth. On se dépêche. Andrew, ici le professeur Farnsworth. Où êtes-vous? Je veux que vous m'appeliez dès que vous avez ce message. Allô, Fitz?
Oui, c'est moi. Il se passe quelque chose de très bizarre ici. Je me demandais si vous pouviez venir tout de suite sur le campus. Oui, d'accord. Que se passe-t-il? Les enfants ne sont pas dans leur chambre, mais je suis sûr qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Pourquoi la police est ici? Evan Farnsworth, Madame Breen. Où est Andrew? Ils doivent être ensemble. Nous faisons notre possible pour les retrouver. Drew a très mal pris le renvoi du professeur Farnsworth. J'ai une voiture de patrouille qui cherche en ville. On est allé vers l'arbre à souhait, mais ils n'y étaient pas. Je suis certain qu'ils sont encore sur le campus. Nous pouvons aller à la bibliothèque et dans les salles de classe. Deux autres de mes hommes iront sur les terrains de sport. Vous, vous devriez aller dans le dortoir. Madame Breen, à votre place, j'irai avec lui. On a envoyé trois véhicules, merci. Ces enfants sont sous votre surveillance en permanence. Vous devriez trouver un meilleur moyen de contrôler leur comportement. Nous ne sommes pas des parents d'accueil, Madame Breen. Lorsqu'ils sont à l'école, c'est votre rôle. Ah oui. Et pourtant, vous allez me mettre à la porte. Mais mon fils n'arrête pas de se plaindre de vous. Je cherche à obtenir le maximum de votre fils comme de tous mes élèves. Drew fait tout ça pour attirer votre attention. Oh, vous voulez dire que je suis responsable de la situation? Ce n'est qu'une remarque, je ne vous accuse pas. Je ne fais que donner un avis. Ses bottes de randonnée et son sac à dos sont encore là. Je ne crois pas qu'il soit parti. Comment vous le sauriez? Vous n'êtes pas son père. L'art avec un but. Ça ne ressemble pas à Andrew. Ce semestre, on travaille sur la littérature protestataire. C'est un sujet qui sensibilise, en particulier votre fils. Bravo. Vous les empoisonnez avec cette propagande. Ça fait partie du programme. Fantastique. D'abord, il est arrêté, et maintenant, cette littérature protestataire. Je paye les professeurs pour éduquer et conseiller mon fils, mais surtout pour veiller à son bien-être. Et franchement, je suis soulagée que vous sortiez de sa vie. Vous pourrez vous en attribuer le mérite. Andrew a gagné un concours de rédaction. Andrew? Il ne vous a rien dit? J'ai demandé aux enfants de raconter leurs souvenirs de famille préférés. Je vois, et j'imagine qu'Andrew vous a dit qu'il n'en avait aucun. Lisez-le, je vous en prie. Il venait d'avoir 7 ans. C'était encore une de mes tentatives pour l'impressionner. Et ça a été un désastre. C'est pas ce qu'il se rappelle. Aucun de nous n'avait jamais monté une tente avant. Alors pour nous, c'était toute une aventure. Après s'être effondrée pour la 3e fois, maman a décidé qu'elle irait nous chercher une chambre. Elle ne voulait pas me décevoir. Mais toutes les chambres étaient prises. Alors nous sommes repartis au terrain de camping pour dormir sous les étoiles. Maman connaissait toutes les constellations. Orion, Andromède, le Verseau. Maman, je croyais qu'elle ne pensait qu'aux œuvres de charité et à la mode. C'est une femme extraordinaire. Et ensuite, pour qu'on ait chaud, papa a fait un feu. Il a été obligé de prendre l'allume-cigare de la voiture. Je n'ai pas eu peur cette nuit-là. J'étais aimée. J'ai enfin compris ce que cela voulait dire d'avoir une famille. La seule chose dont il a besoin, c'est que vous l'écoutiez. Je ne suis pas une mère démissionnaire. Si vous l'étiez, vous ne seriez pas venue. Andrew croit que je suis seulement là pour lui quand il a des problèmes. C'est pour ça qu'il les cherche. Inutile d'être un génie pour le comprendre. Il m'a supplié de le laisser à Saint-Marc et il voulait rester avec les autres et je n'ai même pas essayé de le comprendre. Ça va aller, on va le trouver. Je crois qu'il ne m'admire plus. Ça, c'est faux. J'ai l'impression d'avoir été remplacée. Vous ne serez jamais remplacée, Madame Breen, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Dites à votre fils que vous l'aimez. Il a vraiment besoin de l'entendre de votre bouche. Les draps ne sont plus là. Les couvertures,
Et les oreillers sont toujours là, mais pas les draps. Mais je ne comprends pas. Suivez-moi. Tous ceux qui viendront en ville le verront. Et le vent, il ne risque pas de décrocher les draps? On les laissera avec des pierres. Si on a assez d'adhésifs, il n'y aura pas de problème. Oh, l'adhésif! Je l'ai oublié sur la table à dessin, je suis désolé, Drew. C'est rien, cours le récupérer. Mais dépêche-toi, il va faire nuit. D'accord, tous pour un! On vient de remarquer que les trois enfants ont emporté leurs draps. Est-ce que quelqu'un est allé voir au département des arts? Pas encore, pourquoi? Parce que cette partie du bâtiment est censée être fermée pendant les vacances. T'as pas répondu à ce que je t'ai dit à la chapelle? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? C'est idiot, mais j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Tu t'en vas demain matin. On sait même pas si on se reverra. Que disait Farnsworth à propos des grandes espérances? Prendre des risques, trouver sa passion. Prends ma main. Tu veux que je t'aide? C'est parfait. Andrew? C'est encore humide. Ils sont partis il y a peu de temps. L'art avec un but. Je ne vous suis pas. À quoi vous pensez? À la littérature protestataire, Madame Brin. Magnifique. Tous les gens qui connaissent l'école vont voir ça. Ça va leur sauter aux yeux. Farnsworth nous a dit de nous faire entendre. Hein? En ville? Non, je crois pas. Juliette, vous êtes où? À la maison en ruine. Drew est passé à travers le toit. Est-ce qu'Andrew est avec elle? D'accord, restez où vous êtes, on arrive. Il faut faire vite. Mon fils va bien. J'en sais rien. Je vais y aller avec Juliette. Non, je veux venir avec vous. Attendez les secours, faites leur signe. C'est ça que vous faisiez? Vous pensez que ça vous aiderait? Vous ne savez pas à quel point c'est dangereux? Vous avez tellement fait pour nous, on ne voulait pas vous laisser partir. On va le sortir de là, on se dépêche. Drew? Professeur, c'est vous? Oui. Est-ce que ça va?
S'il vous plaît, dites rien à ma mère. Est-ce que tu peux te dégager? Non, plus je saigne. Ne bouge pas, on va te sortir de là. D'accord. Ah, stop. Oh la vache, il y avait plus de rôle pour passer Noël. Monsieur, ça va? Oui. Quitte cette maison. Non. Fais ce que je te dis, allez, dehors. Je suis désolé, j'ai déconné. Personne n'est parfait. J'étais le roi de la connerie quand j'avais ton âge. Andrew! Pardon, maman. C'est rien, chérie. Je t'aime tellement. Pensez bien à changer ce pansement toutes les 12 heures, d'accord? Continuez à mettre de la glace sur votre bras et reposez-vous, vous en avez d'accord. besoin. Merci. De rien. J'avais tort à votre sujet. Comment me faire pardonner? Tout le monde fait des erreurs, Madame Brin. Pour l'instant, vous et Andrew avez besoin l'un de l'autre. Oui, mais pas autant qu'il a besoin de vous à Saint-Marc. J'ai déjà parlé à Martin. Je regrette ce que j'ai fait. J'espère que vous aurez l'indulgence de me pardonner. C'est rien, je comprends. Oubliez les excuses, c'est inutile. Vous apportez beaucoup dans la vie de ces enfants. Et vous avez beaucoup apporté dans la mienne. Hey. Je vous remercie pour ce que vous avez essayé de faire pour moi ici. Vous avez su exprimer vos idées, suivre votre cœur. Ça ne voulait pas dire mettre vos vies en danger. On a compris la leçon. Et je voulais vous dire que ma mère n'a jamais présenté d'excuses à qui que ce soit. Je suis passé à l'arbre à souhait aujourd'hui. Vous, Andrew Brin, l'incarnation de Saint Thomas? Pas plus que vous, non. Et c'était quoi ton vœu? Que vous gardiez votre poste ici. Et que je reste pour un autre semestre. Deux vœux pour le prix d'un. Et ces deux vœux se sont réalisés? Et vous, professeur? Quelles sont vos grandes espérances? C'est pas le moment de rendre visite à l'arbre à souhait? Que tu n'aies rien de plus grave. Elisabeth. Ne bouge pas. Je suis tellement fière de la façon dont tu as sauvé ce garçon. Ces enfants ont de la chance de t'avoir. Je dois m'en aller. Non, Elisabeth, je t'en prie. Reste encore. Je suis pas prêt. Il n'y a pas à être prêt ou non. Tu dois reprendre le cours de ta vie. Je ne veux personne d'autre que toi. Reste. J'ai rempli mon rôle ici. Tu n'as plus besoin de moi. Si, j'ai besoin de toi. Je t'en prie. Evan, ça y est, il faut que tu vives dans le monde réel. Non, je refuse cette idée. Je veux seulement être ici avec toi. Cette fille, Clarissa, elle est ravissante. Elle me plaît, je t'assure. C'est mon vœu pour toi. Allô? Evan? C'est Martin. Comment allez-vous? Vous sentez-vous capable de venir à la cérémonie de ce soir? Je ne la manquerai pour rien au monde. Votre travail a fini par payer, Evan. À ce soir.
Allô? Clarissa. Si j'appelle, c'est pour savoir si tu aimerais m'accompagner à l'arbre à souhait pour la cérémonie de l'illumination. Tous les enfants seront là, je suis sûre qu'ils seraient heureux de te voir. Oh oui, c'est une sortie scolaire, je vois. Est-ce que Fitz sera là? Je devrais porter les couleurs de l'école. Je suis certain qu'une tenue d'Isadora Duncan fera l'affaire, comme toujours. C'est une sorte de rendez-vous, alors? Non, ce n'est pas une sorte de rendez-vous. C'en est un. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Arbre à souhait qui nous réunit tous en cette veillée de Noël. Nous avons un invité très spécial qui a décidé de me rejoindre sur ce podium ce soir. Le principal de l'école Saint-Marc, monsieur Martin Fitzsimmons. Bravo! Oui. Madeleine et la Fondation des souhaits m'ont demandé de remettre une récompense particulière ce soir. Mais avant tout, je désirerais que nos orphelins de Noël s'approchent au pied de ce podium. J'avoue que le début de nos vacances de Noël a connu des heures chaotiques, mais nos trois jeunes ont changé le cours des événements. Grâce à leur travail acharné et à leurs actions bénévoles, la Fondation des souhaits a pu récolter plus de 10 000 dollars de dons. C'est plus qu'ils n'en ont jamais reçu en une année. C'est génial. Je serais donc heureux de féliciter Albert Nevins pour ses idées extraordinaires pour collecter les fonds. Albert ! Approchez Albert. La Fondation des souhaits a l'honneur de décerner sa récompense de citoyen bienfaiteur à vous, Albert. Le plus jeune récipiendaire de toute son histoire. Je ne sais pas quoi dire. T'as qu'à dire merci. Merci. De rien, Albert. Qu'est-ce qui se passe pour Juliette? C'est vrai, les rêves de tout le monde ont fini par se réaliser, sauf le sien. Je crois qu'elle va réussir à se débrouiller toute seule. Et maintenant, pour clôturer cette cérémonie, je voudrais vous présenter la ravissante et talentueuse Juliette Espinoza, qui va nous chanter « Silent Night ». Bravo, Juliette. Ça va aller. Silent night, holy night, eyes calm, eyes bright, round yon virgin mother and child. Très surprenant, professeur. Comment faites-vous ça? Ce doit être ma bonne posture. Oh. Peut-être aussi qu'il y a un peu de magie de Noël. Tu as mis la barre très haut pour nous tous. Il nous reste plus beaucoup de temps, il est presque minuit. T'as la France. J'ai une question. Oh, et j'ai une réponse, quelle chance. Est-ce qu'on peut écrire un vœu quand il s'est déjà réalisé? Je crois que ça ne peut que le renforcer. Laisse-moi t'aider à le nouer. Voilà, ça y est. Super. Parfait. Joyeux Noël, Clarissa.
Thank you.